Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il y a actuellement un giveaway Instant Gaming pour le mois de décembre 2023. Pour ce faire, vous allez dans la description, il y aura un lien marqué giveaway Instant Gaming dessus. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page avec le traditionnel timer indiquant le temps restant. Vous cliquez sur participer et une fois que c'est fait, vous arrivez donc sur cette page comme quoi merci pour la participation, tout ça, bref, vous avez aussi le traditionnel moyen d'augmenter vos chances de gagner. Allez, sur ce, je vais pas prendre plus de votre temps, on lance la vidéo. Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, elle... On ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ré. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre? Ah, allez. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Taylan. Directeur Mercer. Nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous? Ah, Ré. Palma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. Vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonnés. Built upon its slang. Pas de smoke. Tant. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry, ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur! Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Manor. Manor, t'enzi. Angang nahu, tam. Sa welunit solanimun. Sa on aufol auna kimulunge. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan. Tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aonaka ne kelku.
Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés! Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors! Non, vous nous appartenez! Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non! Vous êtes ce que j'ai fait de vous! Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter! Allez, on rentre chez nous. Aona Kanekelku. Je préviens, Harry, pas un pas de plus! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Cortez, je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les Na'vi contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner? Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord?
Et bien salut tout le monde, c'est XBSky, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Avatar Frontiers of Pandora. Tu m'as déjà aidé. Maintenant c'est mon tour. Je m'attendais pas à un créateur de personnage. Ouais. Pas mal la 7. Allez, on va pour la 7. Alors, les cheveux. Pas folichon, hein. Oh là là. Ouais. Allez. Et la peau, qu'est-ce qu'on a comme peau? C'est un peu bête les créateurs de personnages sur un FPS. Ah ouais, c'est par défaut en vrai. Allez, let's go. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps. Pendant très très longtemps. Wallatikame. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Est-ce que tout le monde va bien? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis! Enfin! Ça arrive pour de vrai! Nous allons tous sortir! Ensemble! Oh, pourquoi tout paraît si différent ici? On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Où est Yefti? Oh mon dieu. Attendez un instant. Ah non, le jeu. Merde. C'est peut-être parce que j'ai mis en configuration gauche que ça marche pas. Alma a été envoyée dans une autre cryochambre. Ne me touche pas avec ça. Désolé. J'ai pas vraiment été formé à soigner des navires. Allez, il faut qu'on parte. Qui sont ces gens? Des hommes de la sœur? La sœur est là aussi. Nous allons vous sortir d'ici, d'accord? La RDA approche. On doit y aller. Eh, hey, c'est bien pensé ça! Peut-être qu'elle se cogne la tête quand elle veut se relever. Les enfants! Ils sont vivants! Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors ? On va la voir.
secours, mon petit Navi. Tirez à vue sur les navires. Non, la coupe porte. Elle est où? Enfin, un saut chargé. Ok. J'aurais préféré un double saut en vrai. Et je prendrai quand même. Oh là là. J'ai frappé. Non, désolé, on va changer ça. Hop, hop, hop. Commande. Punaise, c'est où? Jouabilité. Non. Ah, champ de vision. Ouf, j'avais oublié ça. Ils sont où? Non, mais je vais pas reconfigurer la manette. Je vais reconfigurer le clavier. Voilà. V. V. Où es-tu, mon petit V? Tu es là. Voilà. Ah, on se sent comme un géant dans le jeu, c'est cool ça. Non, non, non. Ici, ici. Allez, let's go. Par ici. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tiens, prends ça. Une radio? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé? Ils te cherchaient, toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite. Attends! Quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez. Comment ça, mais en silence? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Tup-tup-tup. Ok, très joli le jeu. Ouh, le gros mecha. Sorlek, tu m'entends? Où sont les autres? Ils ont réussi à sortir? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité? Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Pourquoi ils ont cryogénisé des navires? Arrête de regarder ça. T'as entendu, Harding? Il faut qu'on les retrouve. Attends, t'as entendu ça? Personne n'a tué? Les navires, vous êtes là? Non, on n'est pas là. On a un cadeau pour vous. Oui, bien sûr, et moi je suis le Père Noël. Le chef tiendrait pas deux secondes ici. C'est possible. On devrait s'inquiéter ou pas? J'ai eu chaud. Non, c'était un tutoriel, pourquoi t'aurais eu chaud? Bon, j'espère que le jeu va pas falloir la jouer à filtration tout le temps. Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Réparer. Waouh. Pas sûr que ce soit approuvé par les meilleurs techniciens au monde. Hein. Les commandos ont l'air super forts, non?
C'est un peu bizarre, ça. Trop bizarre. Hey, salut mes bichons! C'est bon, je suis sorti. Bien, maintenant on va. Sors, Alec! Alors. Beaucoup trop longtemps, je pense. Est-ce que tu m'entends ? Je te tiens. Vous avez quoi, Harding ? Oh. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Je n'oublierai jamais ton sacrifice, toi dont j'ai déjà oublié le nom. Je crois qu'il est mort. Je dis ça, je dis rien. On pourrait presque croire qu'il y aurait du parcours. Ça fait un petit peu à Mirror Edge. C'est cool en vrai. Ça a l'air frais ici. La liberté! Ça y est! Let's go! Waouh! Et magnify. Eh oh, peut-être que les autres ont suivi l'eau. Oh, j'avoue, ça c'est un open world qui va avoir de la bonne gueule. Encore la RDA. Que s'est-il passé ? Activer un suivi de quête, appuyez sur A. Mais j'ai pas beaucoup d'indications sur l'endroit où je dois aller en fait. Oui. Moi ça sur la map ? C'est du RDA bien grillé, ça. D'ailleurs, je suis déçu qu'on puisse pas jouer la RDA. Si vous vous souvenez, Ubisoft, ils avaient sorti un jeu Avatar à l'époque où est-ce qu'on pouvait choisir entre le Navi et le gars de la RDA. Donc on pouvait littéralement jouer le méchant. J'aurais bien voulu qu'on puisse avoir ce choix ici. Par ici, près de l'arbre. Sors, Lec. Et gros. Par ici. Et où par ici? Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Ah, tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras.
Fais confiance à tes sens. Mes sens ? Les humains ont besoin de lumière, mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. Tu vois ? Tu es ici chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes. Laisse tes sens te guider. Ouais, quoi ? Wouah ! Oh, c'est pas facile à voir, en vrai ! C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Ouais, je fais des stocks. Tu pouvais pas juste me dire, va prendre les petites plantes violettes là-bas. Nous devons partir d'ici. Tu peux bouger ? Le Dapophet. J'ai besoin d'une cosse de Dapophet. Je vais te trouver ça. Ne t'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Pousse près de l'eau. Prends ça. Non. Par contre, je trouve l'interface un petit peu grosse en vrai. Ah. J'ai entendu des tirs. Un hélicoptère. Monter. Je vois que j'ai des grandes jambes, hein. Des soldats. Sérieux, ils sont immenses. Passez où ? Où sont concentrés ? T'as vu celui qui portait un flingue ? On l'éliminait en premier. Ils sont pas loin. T'auras ta chance. Allez, n'ayez pas peur. Sortez votre cachette. Et dans ta ligne de mire ! Ouais. Comment récupérer leurs armes ? Laissez-moi deviner. Ça va nous dire que ces trucs-là, ça sert pour nous soigner aussi. Je reviens. Il y avait plus de soldats. J'avoue que j'aurais bien aimé. Le jeu nous indique un petit peu mieux où est-ce qu'on doit se rendre. C'est quoi ça ? L'air dangereux. Ah, il y a un mec en face. Non, il ne se laissera pas capturer vivant. What? D'où t'avais une tête bleue? Easy.
Ah là là, à peine sortir du dodo, c'est déjà devenu une tueuse née, hein. Attends, je reprends des bambous. J'ai oublié ça aussi. Et ma grosse. C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends ! Et je fais quoi maintenant ? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non ! Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Vers la cascade. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas regardé. Ah, mode coop. Attendez. Audio. Il y a un mode streamer. Ah. Pas de mode streamer. Cool. Merci Ubisoft. Alors, on doit aller où? Et là-bas. Oh non, vous allez pas me dire que le personnage peut mourir de faim. Ah si, il peut mourir de faim. C'est quoi ces pièces détachées là? En accès de la RDA, on peut uniquement pirater le système de sécurité. Ok. J'ai tellement l'impression qu'il y a un double saut dans le jeu, mais pas vraiment. Ah, y a pas à dire, Pandora, c'est beau, hein. Grand, mais c'est beau, hein. Ingrédients de cuisine. Ok. La cascade. La base de la résistance doit être là-haut. Ah, ah, ils ont remis la chasse. Alors du coup, la question c'est... Comment est-ce qu'on rejoint ce point ? Rien dans le coin pour pouvoir me permettre de monter. En vrai, je pensais que le jeu allait vachement mal tourner, mais... Ah, je suis content que ça tourne. Ah! C'est chiant. Allez, vas-y. Bon, du coup, c'est où? Là? Thank you.
J'y suis. Ah, vous allez pas me dire que c'était dans la cascade elle-même. Redisons. Station de carburant, je suis là. Ouais, à mon avis, ça doit être dans la cascade même. Bon! Et on va voir si on a une super résistance au saut. Bah, aux chutes surtout. Geronimo! Apparemment pas. Oh ouais, l'avantage c'est que j'avais tort, c'était bien ici. On n'entend rien du tout, Priya. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ouais, je sais. Oel Nyati Kamiye. Quoi? C'était ultra cringe! Approche. Bon, ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Ce qui reste de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. J'espère que les clans continueront de nous rendre visite. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Salt Lake m'a sauvé. Où sont les autres? Riknella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacué. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi? 16 ans? Alma. C'est pas possible. Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui, vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute, prends ton temps. Raj va s'occuper de toi, Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi ici. Tu verras. Seize ans. Ça paraît irréel. Ouais, je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non? On a plein de matos. Ouais, mais elle semble bien occupée avec les navis secourus. C'est vrai, mais... Il est là-bas. C'est lui, Raj? Il est plutôt cool. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, désolé, je... Alma m'a dit... Je connais Alma. Elle m'appelle Raj.
Mais toi, je te connais pas. Je suis nouvelle. Relax, nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Tu as besoin d'une nouvelle tenue ? Prends soin de toi. Ouais, comment j'équipe la tenue ? Ah, c'est bien. Je ressemble désormais à un paysan. J'ai maintenant une puissance de combat de 2. De fou ! Attendez, ça m'avait pas dit débloquer mitraillette, etc. au début du jeu. Ma foi. Vous... je peux vous donner quelque chose en échange ? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Navi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques ? Ouais. Ça fait bizarre d'avoir quitté la tape, mais tout le monde est très gentil ici. Ah, vous allez me dire que c'est le geek informatique du groupe ? Apparemment. Taylan, toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire ? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça ? C'est mon SID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein ? Adjir n'aime pas son nom, mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi, pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la tape. Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous. Non ? On pourrait ? Ce sera amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds ? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer ? Le reste de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. Mes données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce fichu câblage. Tu peux y jeter un œil ? Qui devrait se caler sur la fréquence ? Oh là là, je suis une Navi, là ! Ah, d'accord. En fait, c'est tout con! Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire? Hein? What ? C'est bon. Tu vois ? C'est utile, non ? Je l'ai dit à Alma. Ça, c'est notre avenir.
hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Nous n'aurons pas de repos tant que la RDA foulera les terres de Pandora. Y a quoi, lui ? Tiens, elle. Jette un coup d'œil. Ah oui, d'accord. Si je veux déflinguer la RDA, il va falloir payer. Super. Et n'oublie pas, ne pointe pas tes armes vers toi. Danny aurait été fier qu'on arrête ce forage. Je le sais. J'ai bousculé Harding une fois dans un couloir. Tu veux dire, tu l'as bousculé au sens propre ? Ouais. Ouais, je l'ai bousculé. J'aimais pas sa tête. Et où mon objectif ? Merde. Père. Je vais devoir chercher à l'ancienne du coup, c'est ça ? Elle est où ? Alors ? J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où ? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Taylan ? On pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler, comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nord. Allez. Et allez, on a trouvé le rebelle de service. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente. Ah d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce qui se passe si le perçoit réellement ? Enfin, ça c'est la question que je me pose. Au moins, cette foreuse nous emmerdera plus. John Mercer, fondateur du programme CAP. Les Sarentu le connaissent bien, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé ? On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire ? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains.
Ton clan abritait des voyageurs, des conteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Na'vis t'écouteront. Alma, on a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là ? Mercer aussi ? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lek, tu peux établir un périmètre de sécurité ? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le SID. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. Ceux qui restent de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. Ok. Oh mais moi du coup, je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. Ça a l'air sympathique, mais... Je vous avouerai quand même que ça sent quand même le Far Cry Reskin. Ça sent vraiment le Far Cry Reskin. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, ça pue à ce niveau-là. Mais bon, ce sera pas forcément un mauvais jeu pour autant. Allez, sur ce loup, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la couille attitude. Comme d'habitude, je le prends cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. So, ciao, bye, bouti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.